De retour ici au Parc Floral de Vincennes pour le FITEX, le salon du fitness, deuxième édition des localisations de l'antenne de Bismarck. Et je me retrouve toujours avec mes camarades, Tapiro contre Tapiro, pour le match de Smart Sport. Mickaël, le chiffre de la semaine. Le chiffre, c'est 1972. 1972, comme les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Nous avions eu à l'époque une attaque terroriste et l'assassinat d'athlètes et d'entraîneurs israéliens au nombre de 11 par des terroristes palestiniens. Et quelque part, pour aujourd'hui, par rapport à notre actualité, c'est peut-être un clin d'œil et c'est peut-être une façon de puiser dans l'histoire les choses qu'il faudrait faire et pas faire. Malheureusement, à l'époque, l'information n'avait pas été suffisamment relayée. Les Jeux Olympiques avaient continué comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, on le voit, le monde du sport, peu ou prou, s'organise. Donc encore une fois, un clin d'œil. Le monde du sport doit se mobiliser contre le terrorisme. Et n'oublions pas que rendre hommage à des victimes de terrorisme, ce n'est pas faire de la politique. C'est rendre hommage aux valeurs humaines, donc aux valeurs sportives. Le chiffre de la semaine.